Les joueurs sont prêts, alors comment on va aborder ce premier round? Du côté de l'DLC, beaucoup de Kevlar, un peu d'utilitaire sur Sixer. Et en face, encore une fois, un round avec deux joueurs justement qui vont sacrifier du côté des Dice. Donc encore une fois, pour un plan de jeu, une exécution peut-être travaillée, ambitieuse. Travail au niveau de cette porte justement du côté de Kana. Et j'ai l'impression qu'on est déjà en train de s'insérer au niveau des conduits pour les Dice. Ouais. Ah non, c'est XT, autant pour moi. Oh, les pépites qui s'enchaînent, c'est du 1 contre 1 pour l'instant, on est dépassé, non ça va pour l'instant, les LDC qui tiennent la route. Ouais, ils arrivent à répondre, ils se font pas, ils se font un peu prendre par la vague mais arrivent à résister, ils se retournent là, ouais mais il y a trop de monde, 1, 2, 3 joueurs à regarder, forcément on finit par prendre l'avantage pour The Dice, même si l'exploit pour Majeur était je pense jouable, et là attention, parce qu'on montre une présence sur le B1, ouais, bah, Kana, il vient d'expliquer à Rodon que ce round ne serait pas pour lui. Et c'est à XMS de mettre un 1v3, la première tête est trouvée. Peut-il enchaîner maintenant? Il va trouver un second joueur. Il se retrouve en 1 contre 1, XMS pour le clutch. XMS face à Nonic. XMS a un kit. Nonic le joue, l'attend, le cherche, le repère et le tue. On n'était pas loin d'avoir un exploit pour l'un des joueurs qui doit devenir star des LDLs. Ouais. Triple kill, on était pas loin du quatrième. En plus, il avait un avantage parce que Nonic est encore en train de check en haut de la, pendant de très très longues secondes alors que XMS avait déjà rejoint ce bomb site. Ça s'est joué à pas grand chose. Force achat. Moi, je suis inquiet. Pour moi, pour LDLC, faut absolument faire un bon début de side. Si les The Dice commencent vraiment à leur mettre la tête sous l'eau, voilà, en tout cas, c'est un bon début de round. Ça peut être dangereux pour la suite. Kana touché mais pas coulé pour le moment sur cette prise XT. Ce scout de Sixer va être une grosse menace s'il décide de travailler cette zone justement. Deux MAC-10, Pollux et XPG qui seront peut-être envoyés en éclaireur justement. Est-ce que les flashs sont prêtes? Pour l'instant on joue avec le fumigène, on essaie de trouver un œil sur un joueur qui pourrait être potentiellement au-dessus du cabas. Il y en a un, mais il n'est pas à cet endroit là, on est caché derrière les conduits. Il n'y a pas les molos pour dézoner sur le conduit, hein. C'est important, on est seulement sur le deuxième round. XPG lui trouve l'ouverture sur Happy. On va essayer de reprendre. On va essayer de reprendre là pour LDLC, on va pas essayer de subir le jeu. Le problème c'est que ça se complique, on est en train de passer extérieur. Il y a une pression sur la rampe, on s'est infiltré, on a gagné un premier duel. Kana est beaucoup trop bien, ouais, et pas envisagé par Roden. On va pouvoir aller planter cette bombe, ça devrait aller. Ouais, parfait, parfait, là c'est le premier move d'XPG, hein. Il prend un kill et en plus derrière il récupère l'information comme quoi il reste encore deux joueurs sur le bomb site. Donc on a juste temporisé pour se regrouper et récupérer ensemble justement ce bomb site comme un seul homme. C'est exactement ce qui s'est passé, il n'y a eu absolument aucun souci dans leur évolution. Oh, le petit cut, Nonic, pas content apparemment. Passe à Smiley, ça troll un petit peu, attention parce qu'on perd des Kevlar quand même, hein. On perd des casques surtout du côté de Smiley et Nonic, c'est dommage, mais bon ça va. Pas non plus dramatique. C'est un détail. On essaie de mettre de l'action comme on peut. C'est ça exactement, parce que la majeure lui essaie de gagner du temps pour conserver ce scout. Ça devrait le faire. Pour lui. Ouais ouais, il va pouvoir le conserver, c'est un petit peu trop tôt déjà pour partir sur une chasse à l'homme. Quoique avec les MAC-10 on aurait pu le tenter. Mais on va pas tenter le diable. Oh, XPG justement, voilà, qui se fait surprendre. Qui en solo est venu récupérer le spawn CT. On va partir sur un one man army je pense, hein, autour de ce scout. On va rendre à Sixer. Quelques excédents, on va acheter un pistolet par-ci, un pistolet par-là, mais... Majeur, il aura beaucoup de répliques. Il aura peut-être un danger à surveiller pour les Dice, il a garé son Kevlar casque. Il a un 5-7 et il a une flash. Il peut prendre une agression à n'importe quel moment. Il peut se permettre des choses. Ça va directement voir la rampe. C'est sur qui? C'est sur Major. Ouais, mais Major ne pourra rien faire face à du MAC-10 contact. Le BP du bas est quasiment déjà pris. Un joueur peut-être déjà au niveau de la porte. Et Happy. Oh Happy. Oh Coucou. Happy le Malinois. Oh avec Roden. Les tirs croisés là justement sur l'accélération des Dice au niveau de ce labo. On vient récupérer deux éliminations. Attention, c'est jouable, hein. Attention, c'est jouable. Happy arrive à enchaîner. Kana, XPG, lève un doute sur l'issue de ce round. Mais Happy a toujours une AK et 30 points de vie. Une balle et c'est réglé. Happy clutcher ou pas? En tout cas, le premier tombe, 7 PV. Par contre, c'est un peu trop pour lui. Mais c'est un round d'économie qui laissera quelques traces. C'est sûr. Pour la suite du side, les The Dice mènent 3 à 0. Happy va conserver son arme.
Kana aussi, mais faut se dépêcher d'aller le plus loin possible de cette bombe sur le point d'exploser. Ah, attention à pas sauter. Ça devrait aller pour les deux. Voilà. Mais c'est un bon round déco, hein. Oui, malin, Happy, hein, très sincèrement, là, ce petit coin où réussir à s'en serrer pour laisser passer ses adversaires. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal que ça au Dice. On perd quand même 4 armes, mais bon, on limite la casse. L'essentiel est là, c'est un début de side parfait pour l'instant, 3 rounds à 0. Les choses sérieuses commencent par contre du côté des LDLC, même si on n'a pas encore le snipe de Sixer. Oh, l'accélération, encore une fois on court sur majeur. Et encore une fois ça passe avec Kana en première ligne. Oh, c'est intelligent ce que fait The Dice, ils changent le rythme tout de suite, ils mettent du rythme, ils décident de comment ce side doit être joué. Du tempo, et les LDLC n'étaient pas prêts, la bombe est déjà posée, faut-il la jouer cette reprise? Pas forcément une bonne idée cette grenade pour ouvrir la porte là du côté des Dice, attention quand même. On recule du côté des LDLC. Est-ce qu'ils ont les moyens de se coordonner? On l'a vu, hein. Et tout à l'heure, des reprises en B très compliquées sur Dust 2. Là, on n'a toujours pas franchi la moindre porte. On a envie de contrôler les conduits. On reste pour l'instant en contrôle de la rampe. On n'ira pas, je pense. Hein. Ouais, ils n'auront pas le temps. Ils auront pas le temps. XMS, XPG. Ils y vont les LDLC. Ils y vont comment? Pourquoi ils y vont? Ils auraient pas dû. Ils ont perdu trop de temps. Enfin, le stuff, en tout cas, des Dice, les a tenus en respect pendant de très longues secondes. Ils avaient plus le temps derrière d'assumer un retake. Et on perd 3 armes. C'est là où tu sens que c'est pas en fait. C'est là où tu sens que c'est pas encore une équipe. C'est toutes ces phases de reprise. Ils n'arrivent pas à se coordonner. On a même, je pense, un peu peur. Enfin, est-ce que le plan de jeu était clair en fait? Est-ce que sur le serveur vocal, on savait jusqu'au bout? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue pas à la bombe en fait? C'est ça le problème. Peut-être qu'il y a un manque de clarté à ce niveau-là également. Je pense qu'on n'est pas bon dans l'improvisation du côté des LLC. Il y a un plan de jeu, mais si ça se passe pas comme prévu, on sait pas réagir. Ah mais c'est dommage parce qu'il y a quand même Happy et Majeur. Ils ont également O-Striker qui est sur le serveur, donc je pense qu'il doit communiquer lorsqu'il a quand même 2-3 mots à dire. C'est inquiétant en tout cas pour ce soir. 4 à 0, une seule âme conservée, on va quand même réinvestir par dessus. Et les Dice qu'en profitent hein, tranquillement, ils jouent leur jeu, ils font ce qu'ils ont à faire. Et ils le font très bien pour l'instant. Et s'ils peuvent enfoncer le clou dès ce side d'attaque, ils vont le faire sans aucune hésitation. Allez, on est parti pour un nouveau round. Ouais, j'ai dit on réinvestit, mais moyennement quand même. C'est un petit achat pour les LDLC. Avec un two-man army. Et on se garder. Une. Alors, comment faire pour LDLC sur ce round? Déjà, on peut pas défendre l'XT. On est déjà passé en bas. Pour les Odice via le Volcano, il y aura un joueur contact. Ah, Sixer n'aura pas le timing. Hein. Sixer met des dégâts sur deux joueurs. Il fait très mal aux adversaires, mais il tombe sur cette phase. Est-ce que ça accélère vite? XPG, lui, il est là pour couper les rotations. Eh ouais, mais forcément, XMS, il y a beaucoup trop d'endroits à regarder. On maîtrise pas à l'extérieur. Happy qui répond dans les conduits un joueur, ils reviennent sur Happy qui peut s'offrir un doublé, ça relance le round, c'est du 3 contre 3, on l'a entendu tomber conduit. Ah, il a demandé pas tant Happy, par contre à la ligne François, ça va être un petit avantage à Nonic. Oh, le coup d'épaule d'Happy qui veut forcer ce duel, forcément c'est à lui de prendre ses responsabilités sur un round comme celui-là. Ça passera pas face à Nonic, et maintenant c'est les Dice qui prennent l'avantage sur ce round. Ouais, la molo elle est parfaite, Majeur il est condamné, il y a personne pour tuer la ligne. Et ils l'ont pas puni. Ouais, mais ils ont compris que le BPA était jouable, il était libre. Ouais, ça restera anecdotique, je pense. Mais bon, du coup, Majeur reste en vie. Et lui qui était au 5-7, il va pouvoir récupérer potentiellement une AK ou un Nog. Voilà, celui de Happy. C'est un petit détail. Rodan, bon. Il a un kit Rodan. Et il prouve une première élimination. Cette reprise, elle est clairement jouable. Comment ils vont la gérer? Majeur et Rodan, il y a moins de joueurs ici à anticiper. Il est repéré, Rodan. Ah, et c'est celle d'un doublé pour Smiley, le 5 à 0 des The Dice. Ah, là, le setup Kana Smiley était parfait. C'était impossible, je pense, de reprendre ce bon site dans ces conditions. Plus de peur que de mal. Même si on perd encore une fois beaucoup d'armes, on s'est quand même déjà construit une très très belle économie du côté des Dice. On a des joueurs à 10, 11 000 dollars. Donc autant dire qu'on a quand même beaucoup de jokers à ce niveau-là. On peut se permettre d'être beaucoup plus agressif. Allez, Sixer au sniper. Majeur va pas être sollicité. Les The Dice qui viennent chercher l'extérieur. Double HE dans le Volcano, personne. Pas de dégâts. On montre
des signes. XPG. Il est passé XPG. Oh, il est vu comment par Rodon. Ouais, pas naïf. Par radar ou autre, je sais pas, mais. Bien joué, Rodon qui donne l'avantage. C'est assez rare, il faut le signaler au LDLC. Non pas que Rodon fasse un premier, gagner un premier duel, mais que LDLC ait l'avantage numérique. Maintenant, il va falloir en profiter. Le travail de cette porte, cette pression. Rodon, petite ligne cassée, on sort, on s'en pâle peut-être. Ouais, il reste encore un joueur au niveau de ce Matteo qui pour l'instant fait le travail. XMS qui finira par tomber malgré tout. Et attention, la reprise échelle. Oh, attention, danger. Kill. Attention, danger parce que c'est Donic et qu'il en prend un et qu'il en prend deux, mais pas trois. C'est majeur qui sauve les LDLC et surtout qui ouvre le compteur. The Dice inflige des gros dégâts quand même sur ce round au LDLC et il y a danger. Et il y a vraiment danger. Oh, il est pas loin, Donic. Ça rappelle le round sur D2, la reprise en B, là où il les a enchaînés et il a fait retourner une situation équivalente. On sent que c'est un impact player, on sent qu'il est capable de renverser des situations à n'importe quel moment. Bon. 4 armes, rien, vite. Ah, yeah, ok. Petit problème sur les joueurs. Ah, bah bien joué, Loki. On arrive un petit peu en retard. Loki, qui m'a envoyé un message pour me dire que ne sois pas surpris. Que je suis maintenant sur le serveur des The Dice. Je m'occupe d'eux. D'accord. Et bah écoute, pour l'instant, c'est une des belles et des bonnes surprises à l'issue de ces deux premières journées de CN. Ouais. Ils sont pour l'instant à 9 points en C1 sans faute et ils peuvent même accentuer. On peut avoir les The Dice à un 100% de réussite à la fin de la journée de toute façon. Exactement, Léa, c'est la première équipe qu'on a suivie en début de soirée. Et, comme tu l'as dit, qui ont commencé par un bon 2-0 face au Reflex, 16-11 et 16-10. Allez. Bon, ça passe sur l'extérieur, Kana qui va tout droit, ça file, Sixer, ah attention, voilà, elle a mis du temps à arriver quand même le dernier fumigène pour prendre cet extérieur et forcément on est passé, certes, mais il y a eu tentative de ponction qui a échoué. On prend de l'espace en bas, XMS aux pompes au-dessus du Kaba, on sait, c'est très fort. XPG ça a agressé ce Kaba. XPG ça a agressé ce Kaba, il n'est pas naïf, il a le timing. Par contre il n'avait pas prévu qu'Api soit là. Ouais, couteau en main là, c'était pas forcément la meilleure inspiration de sa vie. Et pendant ce temps, ses coéquipiers, comme tu l'as dit, se sont offerts énormément d'espace. Pour l'instant, dans les sous-sols, même si le bombe n'a pas encore été récupéré, on y travaille. XMS, la crasse sur Pollock. Sixter également, qui remporte un duel. Majeur, qui n'en a que faire de ce mollo. Ça va tenir. Smiley. Ça va tenir. Nonic est isolé et repéré. Et éliminé. Enfin, un rond de référence pour les LDLC sur cette carte. Et il fait du bien celui-là. Il fait vraiment du bien. Parce qu'on peut enquiller de l'argent. Rodon, lui, est toujours un peu dans le dur. Économiquement, il y a un joueur qui doit se sacrifier pour lui. C'est Sixer qui lui offre une arme. Ouais. Sixer était le seul à pouvoir lui offrir un Nog. Le problème, c'est que Sixer, bah, c'est le sniper. Et là, il est totalement au service de son coéquipier. Peut-être que Happy se sacrifiera un petit peu plus tard. Ah, il faudra espérer avoir suffisamment d'argent. Oula, HE. Oula, belle HE de majeur. Elle fait mal sur XPG, c'est vrai. Bon, cette prise de l'extérieur, est-ce que cette fois-ci on va avoir le bon timing pour envoyer tous les fumigènes? Est-ce que le mur de smoke sera parfait? Pour l'instant, on prend son temps afin de récupérer cette zone. Peut-être qu'on redoute une éventuelle agression des LDLC. Ils ont peut-être un joueur derrière le rouge. Je trouve qu'ils ont bien réagi sur le round d'avant, les LDLC. Ils concèdent un homme, mais ils vont chercher tout de suite. Ils vont chercher tout de suite. Ils ont repris le. Une initiative sur le round. Ils sont dans l'action. Ça c'est clair. Alors ça met un petit peu de temps à se mettre en place pour l'instant là le plan de jeu des Dice. Déjà une minute et déjà deux joueurs perdus. Pollock en réaction face à Rodon pour limiter un petit peu la casse là dans ce début de round. Comment Majeur joue sa rampe, c'est l'interrogation. Est-ce qu'il est au contact ici? Oh oui, le contact, oh, on l'a pas checké, bah Majeur il fait moins 1. Il va probablement faire moins 2 parce qu'il a cherché le second. Il ne peut pas faire moins 3. Et ça, c'est un travail réussi pour lui. Mais par contre, Kana, il est passé. On l'a oublié, Kana. Il en fait 1, il en fait 2. Et il en fait 3 parce que Happy traverse le Molotov pour le jouer. Les The Dice qui piquent les LDLC avec une infiltration totalement mal gérée de Kana. Ah, c'était incroyable. On voyait ces échanges radio. Et d'un coup, on voit Kana moins 1, moins 2. Et le troisième qui arrive derrière à contre-temps.
et les LDLC qui s'écroulent sur ce round qu'on n'a pas pu enchaîner. C'est dommage, ça aurait été important pour eux, économiquement, psychologiquement également. Histoire de se rassurer un petit peu. Et là, bah, on va partir par un round assez difficile. Un achat précaire. Sixer qui tente de forcer un duel XT, ça passe pas face à Kana justement. Ça commence à faire beaucoup de rounds. Hein. Ouais. C'est un 7ème point déjà pour les The Dice. Oh là là, la grenade. XPG qui met des dégâts. Pollux qui ramasse. Ah, la spéciale oh XPG là là sur XMS en plus, ça queen du côté de l'ouvreur des LDLC. Et c'est un 5 contre 2 maintenant qu'on s'offre. Ah, puis il n'y aura pas de thune derrière pour LDLC. C'est une catastrophe ce round pour eux. Complètement dépassé. XPG qui enchaîne. Et majeur est déjà recroquevillé sur son spawn CT avec une seule envie, sauvegarder son arme. Il a été vu par Pollux. Pollux qui le voit, qui le tue. Et c'est imperfect pour les The Dice. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement dur, c'est tellement dur ce qui se passe. 3000$ ou un peu plus, 3550, 3400, 3550. Sixer peut se permettre d'avoir un sniper avec un petit Kev, me semble. Oui. Ouais. XMS peut acheter. Est-ce qu'on force? Est-ce qu'on y va? Non, ça sera un round d'eagle. Ouais. Ça commence à faire beaucoup, tu l'as dit. Et là, lorsqu'on a des choix risqués à faire, ben on préfère plutôt jouer la sécurité. Ah, ils sont pas dedans là. Ils sont pas dedans les LDLC sur l'extérieur. Et surtout la manière là. En plus, XPG. On l'attendait la semaine dernière, XPG, justement, un petit peu avec son taser. Il a tenté du deux fois, il a pas réussi. Là, par contre, sur XMS, c'était un petit peu plus inattendu parce que c'était un round armé quand même du côté des Ice. J'espère que XMS va rester dans son match. 7-2 pour The Dice. Sixer a quand même pris le luxe de s'offrir un scout sur ce round sans Kevlar parce qu'il faut quand même ne pas être trop dépensier. Et voilà, il a bien fait parce qu'il a trouvé une tête et un joueur à ses côtés. Hein. Qui est pas loin. Si ça passe, si le mur de fumigène n'est pas parfait, il peut y avoir du danger. Smiley qui va bénéficier d'un boost et il prend sa balle. N'allez pas tester Sixer ce soir. Si, quand même, il y a trop de monde là maintenant. Et Happy qui est pas en réussite. Et Pollux qui se retourne et qui l'élimine instantanément. Un réflexe de toute beauté, Benji. Et surtout de l'espace qui est pris sur l'extérieur. Il y a encore un 5-7, même deux. On va arriver justement en contact d'un sur ce haut échelle. Et The Dice qui sont passés en bas et qui ont avancé également des pions. Alors c'est pas en bas, c'est au niveau de ce bas échelle. On a repéré XMS, on a pris le haut échelle maintenant, Major va venir. Mais il va prendre un premier joueur, Major, pas de deuxième. Smiley est en place. Et ouais, ça s'aligne sur XPG qui a un peu de réussite sur son spray parce que XMS est venu s'offrir. Ouais, c'était pas son combat avec XMS, mais il était déjà dans le rouge, donc une petite balle perdue suffisait. Encore 5 rounds à jouer. Est-ce que les LDLC vont vraiment pouvoir trouver la solution là? On pensait vraiment qu'il y aurait une réaction hein, après une référence qu'ils avaient pu rentrer tout à l'heure. Mais direct ensuite la machine tombe en panne. Et la défense s'écroule. Allez, Sixer peut-être au snipes. Le salut va peut-être venir de lui. Pour l'instant, XT en tout cas on est très reculé du côté des Dice, donc je pense qu'il va s'embêter de longues secondes. Le sniper des LDLC. Le Kana est vraiment très safe. Attention, il est seul dans cette zone. Je crois qu'il y a rapide contact, hein. Mm-hmm. Si je dis pas de bêtises. Oh, ils sont toutes, Kana. Non. Si. Non. Si. Oh là là, il vient chercher Happy dans cette zone. Incroyable ça. J'ai l'impression qu'on a bien étudié l'adversaire et qu'on connaît bien les loustiques qui est en face là. Et Sixer, avec son sniper cette fois-ci qui peut essayer de repérer. Ah, cette fois-ci Kana, il va un peu trop loin. Sixer est là pour le punir. Sixer, avec son sniper. Ouais, peut-être qu'on voulait tenter une accélération échelle là. Tiens, tu montes en fumigène, on le renouvelle. Et Sixer, qui redécale, qui perd la moitié de ses points de vie. Noni qui ne peut pas punir. C'est un moment décisif, XMS qui va devoir tenir cette entrée A, cette finition A qui arrive. Oh, la molotov qui tombe sur lui. XMS s'en sort, il n'en prendra qu'un. Il y a trop, et il y a toujours un joueur caché, on l'imagine. Oh, Roden qui ne peut rien faire. Et Sixer qui doit compenser avec son sniper, qui tient. Mais on avait compris qu'il n'y avait plus personne en bas. Et à 15 secondes de la fin, on pourra probablement poser la bombe et qu'on
détruire ce round et le futur de ce round avec cette présence dans les conduits, cette présence Sixer. Il la gère à un point de vie, c'est un miracle. 4 et 5 points de vie, vont-ils le faire, les LDLC? Ce serait énorme. Smiley, où est-ce qu'il est situé pour l'instant, Smiley? Il est toujours sur le bomb site. 100 points de vie contre 5, mais un 2 contre 1 pour les LDLC qui vont y aller ensemble. On a vu la tête de Smiley, on lui met l'incendiaire dessus. Oh, il va brûler, il meurt. Il s'en sort, ça se joue à un point de vie et un quadruplet de Sixer. Et Sixer, c'est incroyable le rune qui vient de nous rentrer là, ce réflexe, notamment dans le conduit. Pollock qui n'avait pas de ligne directe, qui pensait vraiment jouer au coup d'épaule. Et ce snipe contact, et ben même en face cop forcément, et ben c'est difficile hein, de le rater. Mais pourtant l'exécution était tellement bonne du côté des DICE, là cette accélération au niveau de l'inté qui semblait pourtant être suffisante, encore une fois, pour remporter un nouveau round. La redirection en B également. Et Sixer qui se sacrifie encore et encore pour acheter une arme à un coéquipier. XMS au pont, toujours pour la sortie du Kaba. On a déposé Major dans la rampe. Je crois que Sixer pourrait retenter d'aller voir ce qui se passe en B sur un début de round. Ouais, c'est ça. Il est venu déposer son coéquipier majeur, il est venu se positionner en bas et il est beaucoup trop chaud. Sixer, il en prend un. Il en prend une nouvelle fois deux, mais il brûle enfin des flammes avec Happy dans le dos. Et ouais. Happy, les bons timings. Happy, les bons tuyaux. Qui prend son temps, qui s'applique sur Noni, qui a pas le temps de se retourner. Et derrière, Smiley qui va pouvoir effectuer cette vengeance, mais on perd quand même beaucoup de points de vie dans ces échanges du côté des DICE. Bon, ça devrait être un quatrième point des LDLC. Quoique, XPG, faut s'appliquer, il n'en prendra qu'un. XMS qui le pompe. Et Smiley se retrouve tout seul, un contre deux à gérer. Bon là, tout est possible dans ce match. Il y a des clutches, il y a de la folie. Un point de vie, c'est suffisant pour gagner des points. Et Rodan qui attend toujours. Tranquillement sur la bombe, Rodan est dans le dur. Rodan est pris, 4 points de vie pour Smiley, 40 secondes pour faire tourner la tête de XMS qui lui a toujours bel et bien ses 100 points de vie. Ouais, ça va être du man game hein. Il peut faire absolument ce qu'il veut, Smiley. Repartir XT, planter direct en B, aller en A. Il arrive par où, XMS? Direct en B justement. Il arrive par où, XMS? Par le volcano, j'ai l'impression. Il peut être partout, XMS aura une HE. Smiley a l'avantage du molotov à mettre sur la bombe. S'il prend trop son temps, XMS pourrait perdre ce point malgré un kill au temps. Il ne révèle pas sa position, n'ouvre pas les conduits. Une grenade, il est mort. Smiley. Ah, il prend faire tellement la son temps, XMS. Et XMS. Va check, il check, ça passe, ça va. Ça va pour XMS. Yes, finalement, ce passage là par le labo aurait été salvateur. Quatrième point pour le LDLC. On galère, mais voilà, on a sur l'essentiel, là, encore une fois. Sur un contre 1 de XMS qui permet d'en revenir un petit peu. 3 rounds à jouer avant le changement de side. Ce serait bien de finir au moins avec 6 ou 7 rounds dans la poche pour appuyer ses coéquipiers. Et 8 points déjà, c'est beaucoup pour l'attaque. Ouais. C'est tellement trop. Puis en plus là, on t'a vu, il y a eu un petit coup de cut qui a fini les HP d'XMS. Rodan punit un XPG qui voulait agresser très très vite cette inté, je pense pour filer en bas, ses coéquipiers étaient sur l'extérieur, mais ça n'a pas fonctionné. On décide de passer à gauche du fumigène, cette fois-ci pas à droite, et on punit un Rodan qui n'est pas en mesure de répondre à la présence adverse. Happy qui était déjà dans le dos, qui met des gros dégâts, des lourds dégâts, des très lourds dégâts, ce qui permet à Sixer de pouvoir avoir un kill facile. Sixer qui redécale, il y avait une flash parfaite, et Sixer, le triplé, qui dit non. Sur l'XT, il ne reste plus que Pollux. Sixer... Il fait le café, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais là son retour, AWP, rifle ou tu mets ce que tu veux dans les mains, pour l'instant il sait être décisif pour cette équipe d'LDLC. Bon là il aura pas le timing face à Pollux, mais il a fait la différence quasiment à lui tout seul sur ce round. Deux contre 1 maintenant, Majeur et XMS qui sont en position favorable pour conclure. La bombe qui n'a pas encore été récupérée est dans le dos tranquillement, XMS qui s'applique et qui vient offrir ce cinquième round au LDLC. Ce joueur, des initiatives. Ouais. Ce joueur est beaucoup trop fort. Sixer. Pour ceux qui avaient des doutes sur son retour, eh bien il le montre, il a toujours faim. Et c'est également des bons joueurs durant la Charleroi Esports, hein, très sincèrement, Sixer. Eh oui. Six au sniper. Sur l'extérieur, le premier à le croiser, il perd presque vie. Oui. 5 PV pour Kana, c'était la seule AK. Bah forcément, il l'offre. Plus d'AK pour Kana.
C'est la petite punition sur ce décal. Donc finalement ce One Man Army qui va tourner autour de Nonik maintenant. Comment va-t-on jouer justement? On va insérer Kana, on n'a pas grand chose à perdre, c'est bien 5 points de vie Volcano. Il fera son jeu, il essaiera de trouver un timing justement pour intervenir. Et pendant ce temps, ce One Man Army autour de Nonik qui trouve l'ouverture au niveau de la rampe. Et Happy par contre à son timing, ouais, tu as raison. Et Major voit le relais d'XMS être performant. Il en prendra un, il est pris face à deux joueurs. Attention, il y a danger, parce qu'on perd le premier. Ah, ils jouent bien le coup pour l'instant, hein. Ils arrivent à trouver les duels, à isoler les joueurs sur leur ligne, sur leur reprise, sur leur décal. Il y a un joueur qui est passé en bas déjà pour l'attaque. Le second pourrait donc venir poser cette bombe. Le sniper de Sixer ne redonne pas l'avantage au LDLC, en tout cas un avantage numérique. Et maintenant il faut se regrouper dans une situation qu'ils ne savent toujours pas gérer, les reprises. Ouais. C'est le pire scénario pour les LDLC, les reprises. Il faut qu'ils fassent la différence avant que cette bombe soit posée. Ah, mais là, ils sont les j'ai armes. Peur encore une fois la synchronisation. Oui, il y a beaucoup de stuff, mais ils n'y arrivent toujours pas. Est-ce qu'ils vont t'énerver? Est-ce qu'ils vont cette fois assurer un retake digne de ce nom? Oh, dans le dos justement, Canon en parlait avec ses 5 points de vie. Et ben voilà, un kill peut-être décisif sur Happy. C'est sur on va BP la tenter. Déjà. Roden, ça passe, Sixer, ça passe. C'est Canon qui vient en prendre il est un toujours deuxième. Là. Il est toujours là, Canon. Avec ses 5 points de vie, on ne pourra pas jouer le diffuse, faut garder ce sniper. Et oui, ça ne passe toujours pas pour les LDL, c'est beaucoup incroyable, trop lent. Incroyable, Canon. C'est ce joueur-là qui a pris la première balle de snipe de Sixer en début de round, qui se prend à moins 96, alors qu'il aurait pu se faire éliminer. Et qui donne sur un plateau son AK. Ouais. Et derrière, il passe Volcano, il vient éliminer deux joueurs et il gagne autant face à Sixer. Comme quoi, des fois, les petits détails, 2-3 points de vie font la différence. Ce sera pas encore le sixième round pour les DLC, pas sur ce point. On va acheter et investir tout ce qu'on peut maintenant. On retrouve notamment ces pompes sur XMS et sur Happy cette fois. Et toujours ce snipe sur Sixer, toujours aussi impressionnant sur ses flick shots. Cette fois, Kana est mort. Bel et bien. Allez, travail un T pour les dice. On se regroupe à 4. Peut-être va-t-on essayer de finir ensemble. C'est vrai que la rampe souvent était un point faible chez LDLC. Major a eu du mal à garder ses lignes. Là, il est à l'eau, il a une ligne cassée. Oui, il y a danger. Et pourtant, il prend cher quand même. Ouh, la grenade! Elle est manquée. Mais. C'était pas la sienne. Il en a pris d'autres. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est celle de Nonik, Sixer qui reprend un deuxième kill sur ce round, Roden qui tient, qui stoppe une potentielle hémorragie ou un début. En tout cas, les Odice sont bloqués, ne sont plus qu'à deux. Et il est toujours là lui, en train de roder avec son sniper. Et c'est XMS qui en prendra un, XMS qui pompe un second. Et ça se finit sur un 9-6, on va changer de côté. Les LDLC qui ont su réagir en fin de side CT, mais une nouvelle fois retard à l'allumage en début de carte, c'est leur problème numéro 1. Et ces 9 points marqués par l'attaque, Benji, c'est beaucoup. Ouais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique parce qu'on évite le pire à la fin, mais c'est quand même très très loin d'être rassurant pour eux. Toujours les mêmes satisfactions, hein, notamment Sixer toujours aussi habile, même au snipe et même au rifle, hein, sur ses défenses de zone pour l'instant, il arrive très très souvent à faire la différence. Happy qui a du mal avec ses timings, ses initiatives, il est souvent deviné hein, par les dice justement. On a cerné le personnage. Ouais. Là, ils connaissent un peu des routines de jeu d'Happy. Donc il a eu du mal à avoir de l'impact sur certains rounds, il se faisait aimer peut-être un petit peu trop facilement, donc va falloir corriger certaines choses. Mais là, le plus dur reste à venir, c'est-à-dire que maintenant, c'est les LDLC qui vont devoir créer du jeu sur Nuke. Est-ce qu'ils en ont la possibilité? Est-ce qu'ils vont être capables de fournir de la matière pendant éventuellement 10 à 15 rounds? Ah ben, on va le savoir tout de suite, puisque cette rencontre reprend. Back to the serve. Avec les LDLC en attaque et les grenades sont sur Happy. Fumigène, flash et HE. En face, ça sera flash et kit pour XPG. Comment va-t-on exploiter ces stuff? Oula, bah déjà mal. Bah, décidément. Cette HE, c'était pour dire à ces gars, non, on change la strat, on va pas dans le cabas. Comme Major tout à l'heure, ça c'est dommage, c'est pas oh rassurant. Là. Oh la défense là. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est un mur. Ils leur ont dit non. Les The Dice renvoient les LDLC directement au spawn. Ils sont tous morts. Oh, annihilés. Oh la gifle. Ils étaient 3 rampes. Ils étaient 3 prêts à les accueillir et les 3 ont enchaîné les headshots. Alors là. Bon, la HE, à la base, elle devait servir à aller sur la porte pour casser la porte. Ouais. Et en fait, comme elle n'a pas eu son effet. Oh la migraine qui vient de se prendre les LDLC là. Le mal de tête.
Les 5 joueurs. Hein. Le deuxième joueur de rang, peut-être il a pas tourné trop. Il a pas dû tourner à cause de cette porte. Probablement. Petite cause, grande conséquence, encore une fois. Ah ouais, là c'est pas la meilleure moyen de le meilleur moyen de commencer un side. Et maintenant on est tous au Glock. On cherche des contacts, on en trouve un ici. Ouais, XPG qui prend quelques dégâts, mais bon, on n'a pas l'arme pour venir conclure là pour Sixer. On aimerait bien pourtant. Mais c'est Sixer. Et ce joueur est beaucoup trop fort. Ah, info importante par contre du côté de Canard. On a vu des joueurs déjà en train de regagner ce volcano. Va falloir agir en conséquence. Allez, un qui tombe sur une HE, c'est Roden. XPG qui en prend un, qui ramasse, hein, parce que c'est son coéquipier qui fait tout et lui il met la dernière balle. Pollock, c'est la même. Major fait un kill. Bon, pour l'instant, c'est des Glocks en Kevlar hein, et ça fait deux morts. Ouais. Et Happy qui est toujours vivant, qui s'en sort. Ah, bah il a laissé passer ses potes devant. Il arrive après la bataille, mais il doit faire bien son travail. Et ça commence par un kill pour Happy et Major qui lui a survécu aussi. Oh, attention à ce round quand même côté Dice là, parce qu'il commence à se passer des choses bizarres là. XPG de 2 points de vie qui continue à sauter pour prendre l'information, c'est peut-être pas la meilleure idée de sa vie. Va-t-on se faire Glocked? Parce que la bombe est en train de repartir. Avec Major de l'extérieur, il peut revenir un T. S'il veut jouer quelque chose, c'est peut-être le bon site B. Parce que le joueur auteur dans l'échelle a l'avantage. Ouais, bon. Oh, le timing. XPG a le timing sur Happy. La bombe arrive en B. Et ouais, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas le temps de prendre ce conduit. C'est Nonic qui dit non. On a bien compris ce qui se passait sur le serveur pour les Odice qui ont quand même perdu des armes importantes. Ah, il y a eu un gros coup de sueur, hein. Très sincèrement. Ils se sont tous relayés au niveau de l'XT pour gratter un petit peu chacun son bout de pain. Oui. Un joueur, deux joueurs, trois joueurs tombés, XPG deux points de vie, et d'un coup on a commencé à se dire que ce round n'était plus si évident que ça. Donc on souffle, je pense. Mais attention, parce que maintenant les LDLC vont partir sur leur premier round armé. Déjà, l'investissement n'a pas été évident, mais on a déjà un snipe sur XPG. Et ça peut être une donnée importante, justement. Pas énormément d'utilitaire par contre, mais ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, c'est kiff, Happy. Il était infiltré et il peut s'en sortir avec son kill. Normalement, je pense que son move il est puni sur au moins l'élimination de revanche de retour. Il y a le fumi. Il y a le fumi et il s'en sort. XPG sur l'extérieur avec un sniper où il entend du monde arriver. Oh, il y a un timing ici pour XPG. Juste avant que les flammes viennent le titiller, il punit un joueur, c'est Roden. Il s'enfuit comme un roi. Et ouais, c'est la classe des seigneurs. La fuite. Déjà, je suis sur les champs de bataille. On a continué son travail XT. Hein, il est déjà replacé, regardez. Il est déjà replacé, XPG. Il était sur l'extérieur. Maintenant, il est en rampe et il fait un autre moins 1. Et du coup, on va revoir, on va revoir ses plans. Ouais, Happy qui est reparti directement. Et ils vont tomber sur XPG qui va être dans l'échelle peut-être. Pour Major, il est là. Smiley protège l'échelle. XPG peut la reprendre. Pollock est sur BP. Pollock prend le premier. Pollock prend le second. Et Pollock conclut. 12 à 6. Ce round d'achat ne donnera rien pour LDLC, ils n'ont donc pas d'argent, Benji. Peut-être peuvent s'offrir un petit achat, courir, hein, on l'a vu parfois, courir tout droit avec un tech 9. Ah, par contre, si LDLC il compte jouer ce side uniquement en trouvant des timings et des infiltrations, ça va être difficile quand même pour eux. Hein. Ouais. Ça va s'essouffler à la longue. G2 s'en rappelle, hein, ils avaient croisé un dénommé NBK au tech 9 qui avait couru tout droit dans le Kaba. XPG est en place, ça passe sur l'extérieur. Hop là, là c'est juste pour le principe de ramasser un kill à son pote. Happy en première ligne. Il tombe. Et ouais. Ses coéquipiers qui suivent. Pour le même destin, en tout cas du côté de Roden et de Major. Pas trop de suspense, plus trop de suspense sur ce round. Même si on avait investi sur quelques deagles pour essayer de toucher quelque chose. En parlant de destin, où en sont les MYD contre Clear? Le dernier match en cours, c'est pas de bêtises. À suivre sur le SLTV2 en simultané, bien sûr. Ça ah, y est, c'est fini. Fini. Et c'est Make Your Destiny qui s'est imposé. 16-13 sur Dust 2. Et bah écoute, 3 points pour eux, leurs 3 premiers points dans ces ECN. Ça va leur faire du bien après cette semaine mouvementée. Il n'a donc plus que Exalti à 0 points. Ça, dernière équipe à 0 points, ça doit être Exalti. C'est ça, ouais. 4 matchs, 4 défaites pour eux. Et des LDLC qui ont su quand même s'offrir des armes. De belles armes même. On
retrouve le snipe sur Sixer notamment. D'ailleurs, Loki, satisfait de ce qu'il voit sur le serveur, décide de partir. Et attention à Nonic. Oh là, il n'était pas prêt, mais on ne l'a pas puni. Il y a eu un peu de réussite pour lui. Les LDLC qui passent sur l'extérieur, enfin sur la rampe, ou qui ne passent pas d'ailleurs, puisque XPG est là pour punir. Il ne va pas trop loin. Il laisse les joueurs LDLC s'infiltrer. On a déjà effectué la rotation en bas. XPG couvre la redirection du A possible avec son snipe du puits le haut de son échelle. Les LDLC sont enfermés. Happy, encore une fois, qui va essayer de trouver un timing, justement, une infiltration solitaire. Il cherche la faille. Il est passé déjà, ça fait un petit moment, Smiley. Hein. Il est déjà au niveau de cette grande échelle, Happy. Il l'a pas vu. Si, ça y est, il est vu. Oh, la mauvaise surprise pour Happy, ça se joue à quoi? Une seconde. Et derrière, XPG, contact à la WP. Oh, Major, c'est bien fait. Oh, Major, c'est bien fait. Et c'est tellement pas payé. Ouais, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Le 4 de XPG qui conclut avec un coup de sniper. XP God. Il voulait redescendre. Il y avait son pote qui le repoussait. Non, tu restes là-haut, poteau. Faut jamais jouer au plus malin avec XPG parce qu'il est. Il est toujours plus bête que toi. S'il peut faire un kill avec un cut, avec un taser, n'importe comment, même en te soufflant dessus. Il est capable. Ah là là. C'est ça le problème avec lui, c'est que même dans des matchs aussi importants, s'il peut aller chercher le petit troll ou la petite différence comme ça, il va le faire. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait son charme et son talent. XP God, 14ème point pour les Dice. Il va falloir trouver l'inspiration, puis c'est dans les réserves là pour les LDLC. Mais est-ce qu'il y a vraiment des réserves? Ça, c'est une question qu'on a en droit de se poser. C'est le scénario qu'on craignait ce match. Hein. Là, en tout cas, la deuxième map. Comment sur le side CT, ils n'y arrivent pas. Ils se réveillent trop tard. Et on voit que sur le side d'attaque, il n'y a pas grand-chose encore. Et c'est normal. Ouais, ils ont du mal. Et après, ils n'ont pas de timing. Il y a aussi le facteur réussite qui n'est pas avec eux aussi ce soir. C'est vrai. Nonic et Pollux ont pris les premiers duels. 4v3, on rentre sur le BPA. Et on le prend ce BPA. On le prend même très très bien. On va pouvoir planter cette bombe. Enfin, peut-être, le premier point des LDLC en attaque. Ouais. On le met au duel remporté là, ça c'est bien joué. La puissance de feu cette fois s'est révélée. Ah, ça y est, il arrive le premier point des LDLC en attaque. Nonic est tout seul. Attention quand avec même. Avec son dog. Oh, il voit un premier joueur, il garde suffisamment de points de vie pour enchaîner peut-être derrière. Il a repéré un second joueur, comprend où est le troisième. La bombe n'est pas plantée pour lui, bien sûr, c'est évident. Et Happy utilise son coéquipier pour le tuer. XMS et Happy qui ont décalé ensemble. Synchronisé, une fois n'est pas coutume. C'est ça. Et en plus, comme un seul homme, comme ce sont quasiment des frères jumeaux physiquement, c'était vraiment le cas. Clairement, c'est vrai. Même sur la photo, on aurait du mal un petit peu à la différencier. Et des fois, je ne sais pas. Sur ce beau logo qui a été créé par LDLC. La seule différence, c'est la mèche de côté. Ouais. Des beaux portraits. À côté de leur pseudo. 14 à 7. Voilà, faut la enchaîner. L'agression forte. Allez, 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 Kana. C'est Kana qui s'en sort, la brochette. Le doublé. Smiley avec son dog, lui aussi, qui ponctionne un joueur. Full log, hein. The Dice, sauf un sniper sur XPG. Rodon s'infiltre sur l'extérieur, XMS. A fait un kill. Rodon arrive dans le dos. Ouais, c'est vraiment pas de réussite. Ils prennent des turns à chaque fois, et les turns à log, enfin, tu tires tout droit en fait, y a pas de recul, y a rien, donc... Si c'est pas les deux premières balles, c'est la troisième et la quatrième, ou la cinquième et la sixième, quoi, donc... c'est difficile. Faut pas hésiter. Et XMS va connaître... lui aussi a un destin tragique sur ce round. Normalement. Dans quelques instants, il va rentrer à la maison. XPG signe le 15ème point des The Dice. 22 kills XPG sur cette carte. Et Sixer, top fragger de son équipe avec 17 kills. Mais encore une fois, ben, il n'est pas très bien accompagné. Tu l'as dit, il y a eu un petit réveil de XMS. Happy qui a trouvé quelques timings pour faire des éliminations. Mais il en faut quand même beaucoup plus. Il en faudra plus à l'avenir pour les LDLC. Ouais. Et tu l'as dit, hein, le prochain rendez-vous ne sera pas lundi prochain, mais dans deux semaines. C'est exactement ça. Pour la troisième fois. Y'a GA, le sub-top. Et à Poitiers. Ça sent mauvais pour les LDLC. Quoique. Commence à courir. Il y a le sauveur. Il est là. C'est Sixer. Ouais, on a du mal à enchaîner. On va encore essayer de trouver un. S'infiltrer dans la smoke. Je crois que c'est passé. Faut qu'ils jouent les rounds jusqu'au bout, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça leur fait des rounds en attaque. Ils ont fait un side défense, c'est tout. Ils sont pas assez joués de rounds en attaque. Il faut les jouer jusqu'au bout. S'accrocher.
ils ne gagneront probablement pas le match. C'est même sûr. Mais allez, prendre un peu d'expérience ensemble, round après round. Majeur et XMS sur le serveur. Un serveur qui freeze. Oui. Va-t-on avoir la fin du round ou pas? On reste nous. Spoilé par le probablement scénario de ce match. Peut-être, peut-être. Reste à savoir les vraies raisons de ce freeze. Est-ce un complot? Est-ce un bug? Pour l'instant, on enquête. On n'a pas trop envie de s'avancer justement sur les origines de ce problème. Ouais, je pense que le match est fini et qu'on peut repasser sur nous. Les The Dice. Ça c'est bien, ça c'est bien. Fini. Ouais, ouais. Le round s'est fini sur un 16-7. Le match s'est fini donc sur un 16-7. Victoire des The Dice 2-0. On parlait d'une double rencontre très compliquée pour les LDLC, ça a été le cas. On disait que The Dice avait un service minimum assuré en remportant au moins 3 points. Ils en prennent 6. Il n'y a donc plus que 2 équipes invaincues dans cette compétition. Ce sont les A avec 12 points. Les The Dice avec eux aussi 12 points. Elles sont en train de se rapprocher d'une qualification et la possibilité d'aller jouer la finale des ECN à Montpellier. En juin. Oui, le 23 juin, en ouverture des finales ESL Pro League, ça c'est exactement une belle aventure. Et pour LDLC, ça se complique, hein, ça fait du 1-3, c'est ça. Ah, clairement, la LDLC qui va devoir réagir très rapidement. Leur prochain match, le 29 avril, les LDLC seront opposés au Exalti. Donc je pense que c'est l'adversaire idéal pour se relancer sans leur manquer de respect. Bah, c'est l'autre équipe qui est en difficulté. Si t'arrives pas à prendre 2 cartes contre Exalti, à mon avis, tu peux dire adieu au playoff. Bon, ouais. En tout cas, dans la situation aujourd'hui, actuelle. Et quand tu penses, ça fait quand même un peu plus de temps pour pouvoir travailler des cartes.